Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Moi, ce que je constate avec Ingrid, c'est qu'elle adore donner des ordres. À chaque fois, elle nous dit « fais ci, fais ça ». Eh ben, dis donc, je sais pas si c'est notre chef ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle adore donner des petites ordres. Bon, allez, on va continuer tranquillement. Les Los Illuminados. Ah, peut-être relié, bien évidemment, aux Illuminati. Eh ben oui, on sait pas. On sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un petit peu s'en sortir et trouver cette fameuse petite église. Avec, bien sûr, Ashley. Allez, hop, on va te fouiller la maison. Ouais, vous savez quoi, forcément, hein, si on fouille un petit peu, on devrait trouver des trucs intéressants. Tiens, il y a du vin par ici. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Bon, allez, on continue. Ah, il y a un four avec une belle petite œuf brun. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a une pointe de sauvegarde. Et voilà, c'est fini. On ouvre la porte. Alors, donc là, il y a des grenades aveuglantes. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Après, de la prendre, la grenade incendiaire. Pourquoi? Parce que regardez ce qui c'est qui est en face de nous. Il est pas mignon? Regardez, hop, voilà. Attends un petit peu parce que je vais te me faire cramer moi. Oh ben le salopio! Le salopio! Réussir à m'avoir de plein vol! Honte à toi! Honte! Oui, salut, salut, au revoir. Alors on va changer de grenade parce que sinon on va se faire attraper. Et on va y aller tranquillement. Parce qu'il y a le comité d'accueil par là-bas. Oui, parce que je m'en souviens. Voilà. Que je vais réussir à tous me les farcir. Bonjour tout le monde, au revoir tout le monde. Alors vous allez me dire pourquoi je n'ai pas essayé de les affronter. Il y a une raison très simple, vous avez pu voir dans la saison 2 que affronter tous les ennemis n'était peut-être pas la meilleure des solutions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque bien sûr je refuse catégoriquement d'affronter des hommes qui pourraient bien sûr me hacher menu en l'espace d'un seul instant. Alors on va prendre notre petit pistolet. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Ah, il y a des caisses, pas mal. Oui, je sais, je suis un grand malade de vouloir prendre ce genre de choses alors qu'il y a des ennemis pas loin. D'un côté, le risque. C'est ce qui... Non! Mais c'est pas possible de viser à côté comme ça! Mais non, mais il faut que je sois plus... Oh là 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 là. Ah, j'ai honte de moi des fois, que je vous jure. Non, mais c'est vrai, quoi. Vous imaginez, j'ai réussi à viser à côté. Voilà. C'est vrai que c'est pas la meilleure des techniques pour économiser les munitions qu'on possède, hein, c'est sûr. Il y a du monde quand même, il y a du monde. Bon, c'est pas grave, on va utiliser ça. Allez, c'est parti. Voilà, on peut tout péter. Ah bah en plus, on a plein de petites choses qui arrivent, c'est génial. Ah, c'est pas beau la vie, ça. Ah mais c'est vrai, quoi, je veux dire. On n'est pas réussi à s'en sortir. On recharge un peu tout ça. Mon ami, tu sais, tu as pris de la hauteur, mais tu sais quoi? Tu vas descendre très très vite. Ah, j'aurais peut-être dû pas tirer comme ça, parce que malheureusement, ça risque de mal se passer. Allez, hop. Voilà. Merci. Oh, bah tiens, qu'est-ce que tu fous là, toi? Eh oh, qu'est-ce que tu te prends de lancer des trucs comme ça? Non, mais t'es pas possible. Ah, je vous jure, les gens, je vous jure. Voilà. Allez, 10 petites munitions. Bon bah finalement ça s'est plutôt bien passé. Ça aurait pu être pire, mais ça pourrait pu être pire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, ça y est, je m'en suis tout occupé. Allez, il est temps d'y aller. Bon bah on va voir la porte. Cette fameuse petite porte qu'on peut bien sûr ouvrir avec cette fameuse petite clé. Petite porte, petite clé. Forcément, tout est lié, bien évidemment. Allez, on avance. Ah, des munitions. Bien.
Alors, ah, un petit quelque chose. Bon, allez, ensuite, on ouvre la porte. Enfin, on ouvre la porte. On l'ouvre à la mode Léon Kennedy, comme on dit, hein. Ah. Alors, bien sûr, vous allez me dire pourquoi j'ai fait ça. Vous allez voir très très vite. Tada! Et voilà, une petite spinelle. C'est pour cette raison-là, tout simplement. Et d'ailleurs, ça vous fait aussi permettre de pouvoir détecter différents endroits. Vous allez voir très très vite. Regardez. Voilà. Je reviens ici. Hop! Et voilà! Et regardez ce qu'il y a aussi. Regardez, en faisant ça. Regardez ce qu'il y a là. Et oui. Hop, on descend. On a une petite broche. Et après, bien sûr, on réussit. Hop! Voilà. Voilà. Donc pour l'instant des petites spinelles un peu partout. Ah, pas de rien dans la caisse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, c'est juste de la flotte. Si je commence à avoir peur de la flotte, on va pas pouvoir s'en sortir. Ah tiens donc. Ah, quelque chose qui pourrait m'intéresser. Bah dis-moi tout. Ouais, j'ai des objets intéressants. Oui, bah on verra. Hein. Pour l'instant, j'ai pas tout récupéré. Alors, un masque élégant. Donc, trois orifices pour peut être inséré. Alors, pour information, si jamais il vous dit ça, ça veut dire que vous pouvez le vendre, y'a pas de problème. Par contre, s'il vous dit quelque chose comme ça, ça veut dire que l'objet n'est pas très intéressant. Vous pouvez voir également qu'on peut insérer divers objets. Et donc, forcément, si vous le faites, forcément, vous réussirez à récupérer pas mal d'oseilles. Alors, 84 000, c'est pas mal. Alors, on va prendre peut-être cette chose là pour agrandir un petit peu. On prend le trésor. Oh, le fusil, on va le garder là. La TMP, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on le prend pas? On va le prendre. Allez, on va le prendre parce que c'est très pratique. Ça permet un petit peu de canaliser l'ennemi si jamais il est un petit peu trop sympathique. On va y aller pour pas dire autre chose. La contenance, on va le garder comme ça. Le fusil à pompe, 15 000 quand même, c'est cher, hein, c'est cher quand même. Hein. Bon, on va laisser comme ça pour le moment, on va voir si on en a besoin. Salut mon petit père. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je dis pas que c'est exceptionnel, mais ça se passe plutôt bien. Alors attendez. Oh, il y a un nid. Hop, voilà. Eh, je sais. Ça, c'est un peu la tentation, ça. Tu dois acheter un fusil. Tu dois acheter un fusil. Ensuite, il y a toi. Eh, j'ai ameuté tout le quartier, forcément. Hein. À ton tour, toi. Et voilà le travail. Voilà, ça en fait trois. Je veux dire, Agnetta. C'est qui, Agnetta? Ah, il est là-bas, je l'ai vu. Ah bah c'est toi, c'est toi, Ayeta. Parce que ton prénom, enfin, ton nom de famille s'appellerait... Non. Eh hey, oh. Tu arrêtes de m'envoyer des choses dans la tronche. T'es impoli. Est-ce que moi je te lance des trucs dans la tronche? Si, je te lance, enfin oui, bon. Ok, je te lance, pas le débat, mais c'est... y'a que moi qui ai droit. Voilà, ça en fait un. Allez, hop, on va prendre ça. Alors... Oh bah tiens, tu viens alors? T'inquiète pas, hein, bouge pas, hein, je reste ici moi. Hein. Je suis bien ici. Je me sens heureux. Je crois Ayeta, ça veut dire... Il est lent! Tu vois ce que je veux dire? Bon, tu viens? Bah alors? Tu viens? Oh mais non, putain de... J'ai pas allé plus loin. Je vais dire des choses qui devaient être très insultantes, donc on va éviter. Hein. Je m'excuse d'ailleurs si parfois je suis un peu insultant. Ça arrive des fois, forcément. Hein. Les gros mots, hein, ça arrive. On est tous des êtres humains. Enfin, moi j'en suis un en tout cas. Ensuite, donc, on va prendre une petite herbe pour essayer d'éviter, parce que bien sûr, ça risque d'être dangereux. Alors, il y a un... On va dire que c'est assez glauque ici. Faut quand même le reconnaître. Allez, il faut un petit peu faire le ménage. Aïe!
Bah non, aïe Oh! Allez, mon petit Léon, voilà! T'as, il a fait une autre formation, t'as fait une big formation et tout le monde se souvient de toi. Donc tu sais quoi, tu vises comme un bleu. Ou comme un rouge. Oula, je suis pas bien moi aujourd'hui. Au niveau des vannes, hein, je précise, hein, parce que. Tu vises comme un bleu, faut quand même vraiment y aller. Hein. Oh! Léon! 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 Ça suffit! Voilà! Non mais Léon! Bon, je te reconnais plus! Qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui tirais comme sur des zombies avec en tournant avec une telle. On va dire une telle volupté. Souviens-toi! Hein, mon petit Léon? Alors, bon, bah ça semble être la route, hein. Il y a quelque chose là-bas. Vous avez vu, il y a quelque chose. Je vais y aller. Qu'est-ce que c'est? Raté! Bon, attendez, je vais m'avancer un peu. Prends le TMP quand même, parce que c'est trop calme. Je ne le sens guère. Ah, il y a un monsieur là-bas. Il y a deux monsieur là-bas. Ah, a priori, je les ai fait tomber. Oula, attention, j'ai l'impression qu'il a quelque chose qui ne nous pas beaucoup. Bien joué! Ouais! Alors là, par contre, là, ah, je peux dire GG. Non, pas le prénom, hein. Mais honnêtement, je m'épate à quand même réussir ce coup-là. Ah bah, il en fallait, hein. Donc quoi, j'aurais de me... Ah, il y a un truc là-haut. J'aurais de me jeter des fleurs non plus. C'est quoi ça? Une grenade incendiaire. Ah, tiens, ça peut être pratique. Alors, c'est quoi tout ça? On dirait un tombeau. Ah, il y a un autre médaillon. On va l'utiliser. Bien joué. Allez. Non, tiens. Voilà. On en a 10, c'est bien. Bon, allez, on va essayer d'ouvrir cette putain de cette porte. Désolé, hein, pour tous les gros mots. Hein. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Tu pourrais être Leon, you poli, have to hein. find some way or something to get inside.
Il va y en avoir un dernier. Et celui-ci, un M un peu bizarre. D'accord. Faut que j'allume que ces trois-là et je réussirai à le faire. D'accord. Moi j'avais tout allumé, donc forcément. Donc M, le S à l'envers. Et moi qui ai pas de mémoire, c'est une horreur. Moi qui ai pas de... Franchement, c'est pas... faut pas me donner ça, j'ai aucune mémoire moi. M à l'envers. Et c'était celui-là que j'ai dû zapper. Ah, oh, j'ai pas de mémoire, sans déconner. Et un V, M, allez, MVS. Voilà, MVS, ça va être plus simple comme ça. MVS. Enfin, le S est à l'envers, mais vous m'avez compris le principe. A priori, il faut allumer ces trois-là. MVS. 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 Alors, je me rappelle dans la tête pourquoi, parce que, bien évidemment, vous allez voir, dans 5 minutes, j'ai oublié. MVS. Voilà. Et je suppose bien évidemment que comme on peut tourner à 4 cadrans à chaque fois, ça va nous imposer faire des petits. Voilà. Donc. Moi qui déteste ça en plus, c'est une horreur. Voilà. C'est pas facile, hein. Bon. Si je fais ça. D'accord. Si je fais ça, ça fait ça. Ça, ok. Si je fais ça, d'accord. Donc 1, 2, 3. Voilà, j'ai compris. Voilà, j'avais fini par comprendre parce que bah, tout simplement c'était ceux qui s'y retrouvaient pas. Alors, vous avez pu voir que j'avais parlé des orifices ici. Vous voyez, il y a une petite trois orifices. En fait, cet endroit-là, si vous faites ça et ça, ah bah ça marche pas. Ça marche pas. Bah, bon, je me suis trompé. En fait, vous avez plusieurs orifices qui vous permettent en fait d'avancer. Je sais pas si on peut combiner comme ça. En fait, il y a différents objets que vous pouvez utiliser et les intégrer à l'intérieur. A priori, l'œil de chat n'est pas utilisable, tout simplement. Bon, je pensais pouvoir vous le montrer, finalement, c'est pas le cas. C'est pas grave. Allez, on passe par là. Oui, bien sûr. Voilà. Hayeta, non mais Hayette, elle a... Ah, attention. Voilà. Pas prendre la tête, on s'en occupe comme ça. Voilà, on rentre. Notre petit médaillon. Vous pouvez vraiment récupérer les 15 médaillons. Ah, il y a quelque chose, c'est quoi? Fermeture de l'église. En ce qui concerne les deux fugitifs, le plus urgent est de capturer Luis. Luis, ça doit être le gars qui était avec nous, hein. Peut attendre, ce que Luis nous a volé est bien plus important. Si on ne récupère pas, la fille ne nous servira à rien. Si l'objet tombe dans une mauvaise main, le sort du monde pourrait être différent de ce que Lord Saddler, ça va être le Big Boss, mais qu'il en soit, on ne peut pas laisser. Ceux qui veulent entrer dans l'église doivent avoir l'autorisation. Il y a une clé derrière le lac. Ah, c'est ça. Donc le lac Dago, le Del Dago a été réveillé par le Lord et personne ne peut traverser. De plus, notre sang coule dans le... Ah, ok, donc enfin, a priori, sur l'un des nôtres, ça veut dire qu'on a été contaminé par forcément les... Ces personnes! Attention! Ouais, donc là, vous voyez, j'ai pas eu le temps de le faire. En fait, dans les caisses, vous pouvez avoir bien évidemment des objets, comme vous avez pu le voir, mais également, si vous n'avez pas de chance, vous pouvez avoir des serpents. Alors, vous allez me dire, les serpents, est-ce que c'est gênant? Oui, forcément, parce qu'ils vous mordent. Mais si vous avez le temps de les couper, vous pouvez récupérer des œufs, etc., etc. Donc, d'un côté, tout est une question. Alors, forcément, quand vous savez pas, forcément, vous faites surprendre. Là, je me suis fait surprendre parce que bah, je pensais que ça allait être bon. Parce que ça fait depuis le début, j'ai pas eu un seul serpent, hein, forcément. Voilà. Allez, on va y arriver. Voilà. Voilà, 350 munitions de TMP. En tout cas, ça se passe super bien. Je suis très content. Quel endroit lugubre. C'est ce que j'avais dit. Bah, tu sais quoi, on va prendre le TMP, hein, je crois. Hein. Le TMP, c'est pas celui qui va faire la plus. Oula. Il y a du monde ici, dis donc. Laisse-moi deviner, il faut que je tire sur un corbeau et tous les autres vont s'en aller, des choses comme ça. On va prendre celui-là. Je sais pas pourquoi il y avait autant de monde. Bon, bah, j'ai. J'ai fait une connerie là, quand même. Ah, je suppose qu'il fallait lancer, je sais pas, une. Ouais, bon, ok. Bon, ça, c'est anecdotique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, je pense qu'il fallait tirer sur quelque chose. Ah, une spinelle. Il fallait tirer sur un. Sur lancer une grenade ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, bah, forcément, on se serait retrouvé dans une bonne situation, puisque bah, tous les corbeaux auraient été au sol et on aurait pu, bien sûr, s'en sortir.
Ça n'a pas été le cas puisque je ne le savais point. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Quel endroit lugubre quand même. Hein. C'est pas un endroit où je passerai mes vacances, ça je peux vous le dire. Mais j'aime bien le calme de cette saison. Enfin ce calme. Tout est relatif. Voilà. Allez, on va descendre un petit peu pour voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Allez, on saute. Voilà, munitions de 10 000 10. Là, on a un lac. La musique semble avoir changé, donc ça veut dire qu'on est plutôt dans un havre de paix. L'havre de paix, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ce que j'appelle chez moi l'endroit où on peut se reposer, pas se retrouver, on va dire, attaqué dans tous les sens. Eh ben dis donc, t'es équipé, mon petit père, hein? Hein? Got some rare. Voilà. Alors voilà, donc là, l'arme en question que l'on a, c'est le Punisher, qui est une arme beaucoup plus puissante, donc on peut la récupérer gratos. Donc on va vendre le pistolet, qui ne nous sert absolument plus à rien. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas vraiment. Et là, on va vendre, acheter le Punisher. Voilà. Une arme beaucoup plus efficace, plus impressionnante d'ailleurs. Donc là, on peut bien sûr. Mais là, c'est un peu plus cher. 8 000, 8 000, 8 000, 10 000, 10 000. Alors attendez, on va vérifier d'ailleurs un truc. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, on peut pas l'insérer dedans. Parce qu'il dit en fait, l'objet a été serti, lequel? Et moi normalement, il n'y a que celui-là que j'ai. Alors après, est-ce que c'est une histoire de... Je sais pas, on va pas non plus crapahuter en essayant de réfléchir. On en fait voir. Bon, 71 000 non plus, on n'est pas non... 71 000, on n'est pas non plus dans la difficulté. Mais c'est bizarre quand même. Parce que si c'est certi, on va essayer encore, mais c'est bizarre. Si je fais... Je peux pas le combiner, c'est étrange. Ça va être un autre objet alors, forcément. C'est ça qu'il faut comprendre, a priori. Là, moi j'étais convaincu que ce truc-là... Bon, bah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, attendez. Alors, contenance. 8 000. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu pas mal de choses durant cet épisode. Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de Resident Evil? Bah, il faudra suivre le prochain épisode de cette histoire. Allez, à la prochaine.